Bonjour, chers amis fans de sport. Il fait soif tout d'un coup, n'est-ce pas, Bob? Ah, bah oui, Jim. Les Bloodweiser Girls font leur tournée. Ça me rappelle à quel point la Bloodweiser et la nouvelle Bloodweiser Light sont rafraîchissantes. Tout l'arôme de la bière sent l'arrière-goût toxique. Il va sans dire que toute corrélation avec d'éventuels contrats de partenariat serait purement fortuite. Les équipes alignées sont de force égale. Je m'attends à un match disputé. Voilà que tu remets ça, Jim. Attendre, c'est pas dans le vocabulaire du Blood Bowl. Au Blood Bowl, on cogne, on s'étripe, on n'attend pas. Les Nordiques sont agressifs, mais ils peuvent être blessés. Il faut se concentrer sur les joueurs clés. Blitzer, Troll des Neiges... Tous les joueurs, en gros. Quelqu'un l'arrête! Non, je plaisante. Ça me rappelle la célèbre histoire Nurgling et Grand Immonde. Mais sans miracle ce coup-ci. Sur le museau et ça leur coupe l'envie de gigoter. Un petit somme et il nous reviendra peut-être tout à l'heure. Je sens que quelqu'un sera mis à la porte dès demain matin. Enfin, comme on dit, pas de pain, pas de gain. Pour Cabalvision, j'entends. Je parie que les adversaires ne l'ont même pas fait passer. Contre les Skaven, je me fiais surtout à mon odorat, Jim. Quand ça sentait le vieux fromage, balancez la sauce. Thank you.
aux bords du terrain, à portée des mains des fans qui ont l'air affamés. Ah, il est pétant! Il est pas loin de la zone d'embut! Cette fichue vermine est rapide, Jim! Ce Skaven est plus vif qu'un halfling sur un feu de bois! C'est une façon de voir les choses. Ces Skaven sont plus rapides que n'importe qui. Vise un peu ça! J'espère pour lui qu'ils sont bien venus. Beauté, hein. Les autres joueurs sont restés plantés là comme des pics. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'avais pas vu le rat courir aussi vite depuis le grand incendie à Nuln il y a 8 ans. Et le voilà qui plonge dans la foule. Ça m'étonnerait qu'on le revoie tout haut. Se retrouver là. Il suffirait d'une clôture pour empêcher que les joueurs se fassent éclipser par la foule. C'est comme ça, hein? Peut-être ce joueur plus tard, s'il se réveille.
déchaîné. J'espère que le joueur ne sortira au moins de 10 morceaux. Ce joueur va-t-il déposséder le porteur du ballon? Une tactique inattaquable! Entoure l'imbécile qui porte le ballon, on l'empêche de marquer! J'aimerais qu'on le revoie de sitôt. Il paraît qu'on peut le calmer en lui gratouillant le ventre ou le menton. Il ferait mieux de recruter des joueurs apprivoisés. À cette vitesse, ça va être compliqué de l'attraper. La queue, Jim! Il suffit d'avoir la queue! Ah, c'est là qu'on voit la seule vraie utilité du ballon! Identifier la prochaine victime! Oh, c'est tout sauf une bonne idée de finir sa course si près de la ligne de touche. C'est un coup à se faire pousser dans la foule. La dernière fois que c'est arrivé, il a fallu 3 jours pour reconstituer le corps. Il suffirait d'une clôture pour empêcher que les joueurs se fassent étriper par la foule. Je dis ça comme ça, hein? We'll be right back.
joueurs chaos sont de retour. Formidable! Le match est dans l'impasse. C'est ce coup de pied qui pourrait débloquer la situation, Bob. Tout juste, Jim! Il est temps qu'une des équipes se décide à prendre les rênes du match! Tous ensemble! L'attaquant bénéficie de soutien! C'est ça! On le force à reculer, puis paf! Qui dit plus de ballon, dit deux points pour cogner. Une stratégie à la papa. Un peu téléphoné, mais le résultat est là. Cette fichue vermine est rapide, Jim. Ces Skaven sont plus rapides que n'importe qui. Vise un peu ça. Baloche des Neffels, Jim! Il s'attaque au porteur du ballon! C'est limite de l'anti-jeu de se concentrer autant sur le ballon! Elle est où, l'ultra-violence? Les fans renvoient le ballon sur le terrain! Ça va changer toute la dynamique du match! Faites attention à lui, c'est un escroc de première. Il faut qu'il se débarrasse du ballon. La zone d'en-but est en vue. Oh, vise un peu. Bon blocage défensif.
C'est ça! Le porteur du ballon est l'adversaire à abattre! Il fait maintenant pleuvoir les beignes dans l'espoir d'arriver à le plaquer au prochain essai. Ce Skaven est plus vif qu'un halfling sur un feu de bois. C'est une façon de voir les choses. D'or à chaque joueur que j'ai vu sur le carreau, je pourrais fonder ma propre équipe. 1 million, ça suffit pour se lancer, n'est-ce pas? Ah, faut croire que le coach a craqué sous la pression.